mais il faut faire une pétition pour tous les exterminer. Elle parle de quelle communauté là? Hein? Tu penses pas? Tu vois pas que t'es en train d'ruiner la scène, fils de pute? On m'en bat les couilles. Oui, on va reprendre où on en était, monsieur l'agent. Il a buté le fils. Ouais, salut. J'ai eu juste un message à pas passer. Il est trop mal. On y va ! Eh bien, on y va. Non, c'est pas par droite, non. Si, non, vous non, en faites non, pas, mais attendez. Je ne vois rien, là. Regardez, hop, on est bloqué. Non, je pensais pas, du tout. Si, on va y aller. Non. Oui, j'ai compris, mais tu parles trop vite. Vas-y doucement, parce que moi, le Portugal, il y a longtemps... Tudo bem, caralho, se não vai nem mal, chus. Moi, je suis de Ria. Obrigado, vai foder, chus, caralho. Chus brasileiro. T'as volé ton goûter ou quoi? Je sais pas, mais ils ont pas l'air très vite fait. Merci. BG. Merci, c'est gentil. Essaye de t'en. Je peux te dire, je m'y connais. Hein. T'as déjà vu un boule comme ça? Il est sérieux? Bon alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oula! Allez, hop, je me mets à mon aise. Oh, dub! Oh, qu'est-ce que c'est bon! Je ressens la même chose que ressentent ces petits U. Oh, c'est bon! Qu'est-ce que c'est bon! Et après, j'encaisse de l'argent à foison comme une vraie petite U. Il est chaud en plus! Mais il est chaud en plus, les gars! Mais dans le Condor! Mais t'as 15 ans! Elle est en seconde! Mais t'as 19 ans! Elle est en seconde! Mais t'as le droit, t'as 19 ans! Mais tout le monde est en train de pleurer là! Ouais, non, en vrai, elle est en seconde! Et encore une meuf de. Tout le monde est en train de pleurer dans la vidéo là! Est-ce que vous êtes en train de pleurer? Ah, il m'a tué le Condor! Yeah, salam alaykoum, ça! Bah, oula. Désolé, moi c'est pas des salam alaikum. Quoi? Mais non. C'est quoi ça là? C'est quoi ça? Oula, messieurs. Désolé de vous déranger. Oui? Bonsoir. Je suis un peu interloqué, je pensais que ce temps-là était révolu, mais visiblement, on peut encore se faire. De quel temps parlez-vous? Encore un insouciant, quelqu'un qui va nous juger, c'est ça? Vous êtes de ceux qui préféraient le nouveau temps à l'ancien temps? Non, loin de là. Vous savez, j'ai travaillé dans les champs de coton aussi, j'ai côtoyé ces gens. Et je sais très bien qu'ils font du très bon travail. Je me présente, monsieur Leblanc et mon acolyte, monsieur Guy Georges, un homme libre. Très bien, enchanté de vous connaître, je suis Eddie Larouille. Enchanté, monsieur Larouille. J'ai trop. Qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois? Vous voulez que je me baigne dedans? Et d'accord, et comment il s'appelle votre acolyte? Il peut pas dire ça. Monsieur Georges. Georges, d'accord, très bien. J'aurais plutôt dit un petit coup de taquinité. J'en ai connu un qui vous ressemblait, je pensais que c'était vous. Attendez, vous parlez duquel? Du grand apôtre? Non, Kunta Kinte. Non, il était aussi noir que lui. Ah oui. Putain, tu
Oh putain, c'est tellement bien fait. J'en peux plus. Je te plais. Est-ce qu'il a parlé des sosies ou quoi? Maintenant, on a Dieudonné à la cam. Pardon? Bah, parce qu'en fait, tout à l'heure, on a quelqu'un qui est monté en cam. Et dans sa voix et tout, dans sa manière de parler, on aurait dit Kylian Mbappé. Et là, toi, dans ta manière de parler, on a l'impression que c'est Dieudonné. Tu vois qui? Non, ferme-la! Ferme-la physiquement! Ferme-la! Vous savez, c'est là la différence. Les gens parlent d'esclavagisme. Moi, oui. Je ne regarde même plus sa couleur. Pour moi, c'est juste un animal. Oui, c'est vrai. Oui, comme ça, c'est vrai. Vous avez raison. Pourquoi tu me parles comme ça? T'as pas me parlé comme ça? Je t'ai respecté depuis le début! Ferme ta race! Respecte-moi! Je suis pas toutes ces racailles! Mais j'ai pas dit que t'étais une racaille, Dieudonné, c'est pas une racaille, hein? Oui. Dites-moi, c'est la rouille, sans être trop indiscret, vous m'apprenez ou pas, hein, mais vous avez quel âge? J'ai jamais su, puisque je suis un enfant de pute. Ah bah, comme 128A. Oui, Nanari, excuse-moi. Comment il est revenu, tu l'as pas fait? Mais regarde! Attends, je vais retourner, je vais leur dire. Qu'est-ce qui s'est passé avec Boubacar? Mais je comprends. Pourquoi fait dire ce qui s'est passé avec Boubacar? Parce que là, ça va chier, là. On est rentré dans la doc, on a vu qu'il y avait des associations racistes. Attends, je lis, là, je suis en train de lire. J'ai une pote qui... Comme quoi, vous vouliez sucer sa grosse botte de black? J'ai pas trop compris. Qu'est-ce qui s'est passé dans les logs alors, hein? Pardon, je vais pas retourner sur le live. Je suis bloqué. Mais t'as vu tout ce que tu m'as ramené, toi? En tant que modérateur le goût, je me dois de vous bannir. Non. Désolé, les filles. Vous irez sucer les bites de Boubacar ailleurs. Qu'est-ce que j'entends? Attends, ce bruit m'est familier. Doofy? C'est quoi, Doofy? Eddie? Hey, attends. Eddie? Doofy? Eddie, je te cherchais partout. Doofy? T'étais passé où? Doofy? J'ai dû survivre en montagne, j'ai dû faire des choses horribles. Bon, je me présente, je m'appelle Vanim, mais je travaille pour le staff Lovo. J'ai reçu pas mal de signalements venant de votre live. Donc, comme vous voyez, je suis en train de remonter un petit peu dans les logs pour savoir ce qui s'est passé. Notamment Alexandre qui m'a fait remonter une information comme quoi vous avez tenu des propos racistes. Est-ce vrai? Voilà, je demande des explications, s'il vous plaît. De toute façon, je vais le trouver dans les logs. Hein. Si vous ne le dites pas maintenant, au moins, ça sera clair et net. Que s'est-il passé, en quelque sorte? Voilà, expliquez-moi un petit peu. Mais tu te fous de ma gueule ou... écoute, ma belle, je suis d'astreinte là, il est minuit 15, je préférais être dans mon lit en train de sauter ma femme, et je me lève pour des gamines qui ont tenu des propos racistes. Tu crois que je suis là pour rigoler ou quoi? Donc expliquez-moi ce qui s'est passé, s'il vous plaît, parce que là, de toute façon, je vais avoir accès à tout, donc, comme on dit, faut avouer, tout donné, jouez le jeu, dites-moi ce qui s'est passé, voilà, vous êtes des adultes, vous êtes responsables, dites-moi ce qui s'est passé. Vous avez accès à tout, regarde ce qui s'est passé, et voilà. Ah ben bon, il n'y a pas de souci, mais bon, écoutez, comme je l'ai dit, 2015, j'ai pas que ça à foutre. Donc si vraiment ce que Alexandre m'a donné comme motif, c'est véridique, ça s'avère véridique, votre compte, il va sauter. Hein, il va sauter. Je prends la base de données, votre compte, plusieurs names, hop, voilà. Ah ouais, vous êtes comme ça, vous, d'accord. Bon, très bien. Ça va aller plus vite que prévu. Doofy. Oui. Tu m'as tellement manqué. J'étais tout seul en montagne. Je crois que je suis papa, j'ai fécondé un opossum. Un opossum? Qu'est-ce que t'as fait encore? Bah, j'étais seul, donc j'avais besoin de compagnie. Du coup, je suis tombé sur une femelle opossum. Elle dormait avec moi dans la tente. J'ai fait comme avec les dindons. Putain. C'est du lambris sur ton plafond, là? Le bâtard. Non, c'est du bois que... Mais oui, mais c'est la même chose. Attends. Des gueules ou quoi? Le lambris, tu crois que c'est du métal? J'ai dû faire des choses pas trop top pour survivre dans la montagne. J'ai mangé dis-moi. Un enfant indien. Un enfant indien? Je l'ai Pourquoi mangé. J'ai fait ça? Parce que j'avais rien à manger, je voulais pas manger mon dindon. Parce que le dindon, tu sais ce que je fais avec. Le roux qui a craché sur sa caméra, c'était qui? Ah, je le connais. Nanar BE. Il a plus de partenariat casino, je crois que maintenant il l'est payé pour cracher sur le roux.
c'est la merde pour lui, c'est la merde pour tout le monde. Hein. Il n'y a pas de saut métier, ma mère, elle me disait. Hein. C'est énorme. Donc, Moi, je viens plus sur l'homo, c'est fini ça. Voilà, eh ben, casse-toi alors, nous casse pas les couilles, là, coupe tout. Et qu'est-ce que tu nous emmerdes là, avec ta copine, la chialeuse là. Vous nous cassez les couilles, allez vous brouter la schneck, j'en sais rien. Mets ton doigt, tu te le mets dans ton petit trou du cul, il y aura moins au coucher écarté ce soir. C'est la fin de la vidéo. Et t'es tout triste? Mais t'inquiète pas, on revient très bientôt pour du nouveau contenu. Alors pour cela, active la cloche, hein, et tu seras au courant des prochaines vidéos. Et abonne-toi surtout. Lâche un pouce bleu, ça fera plaisir à Riri. Allez, à ciao, bon dimanche.